Salut à tous, c'est Ryzen. Nouvelle semaine en LFM sur le circuit de Silverstone, toujours avec la Ferrari. On est plaqué 6 et on a fait le 6ème temps. On n'est pas très loin des leaders, on a 5 dixièmes de Luke Addison, il est 3ème, il roule en féfé aussi. Par contre derrière c'est serré, Garcia et Angel, on est dans le même dixième, donc on va essayer de se battre. Une Aston et une Lambeau. Il y a quelques Aston sur ce circuit, il y a pas mal de Ferrari et de McLaren. La BOP, le chèque l'a fait fait. On a plus 9 kilos. Les autres, j'ai pas trop regardé. 9 kilos, ça va quoi. C'est pas la mort. On va essayer de faire une bonne course. Silverstone, on sait, très piégeux. Alors, on va essayer de déjà prendre un bon départ. On est à l'extérieur. J'aime pas trop ça sur Silverstone, mais bon. Un mec qui a spin, je sais pas ce qu'il a fait. On a fait une bonne trajectoire, on va tout de suite prendre l'intérieur pour le prochain virage. Je sais pas ce qui s'est passé là. Ok. Ça commence bien. Ça commence bien la course du lundi. Oh, la vache. Il a fait exprès ou quoi là? Je me demande s'il a pas fait exprès, c'est bizarre. Pas trop compris, en plus il est resté accéléré j'ai l'impression. On va avoir ça au ralenti mais je suis un peu dégoûté là. Je commence très mal la semaine. Des drapeaux jaunes partout. On est avant-dernier. On a réussi à rejoindre le peloton, mais bon. On va pas remonter tout ça maintenant. Ah, elle tourne plus la caisse. Elle tourne plus la caisse. Ah ouais. Avec un DT déjà. Barkov. Le 18ème. On va encore avoir des drapeaux jaunes. Hein. On se remet dedans, c'est pas grave, on verra après la course, de toute façon ce qui est fait est fait. Déjà je pense que j'ai fait une petite erreur sur l'Aston. J'ai dû freiner un peu dessus mais c'est bizarre parce que chez moi j'ai pas eu de contact, enfin j'ai rien ressenti. J'ai pas eu le message comme quoi j'avais eu un contact. Et il a été poussé sur l'extérieur, je sais pas, est-ce que c'est un problème de coup ou je sais pas, on verra. Je regarderai ça après. On est remonté sur des charmes. Il va faire son drive-thru avec la Mercedes.
Allez, on a remonté 16e, encore 10 places à prendre. Pour essayer de remonter à notre place d'origine. Bug, oui. Allez, Kurpiel. Je passe en version safe là, pas y prendre de risque. Pour attaquer là-bas au bout, je pense que ça va être compliqué, on est assez loin. Ils freinent très tôt par contre. On monte dans son rétro. Peu de mal, hein. On a bien tapé dans le côté gauche, dès qu'il y a un virage à droite, on a un peu de mal. Allez, on va peut-être pouvoir aller l'attaquer au bout. Bonne relance à McLaren, c'est compliqué de croiser des croisés avec. Là je parle pas mal de temps derrière, c'est dommage. J'arrive à trouver l'opportunité là parce que. Oh, ils prennent tôt ici, sérieux. J'arrive à le passer, parce que je perds beaucoup trop de temps derrière lui. Ah ben imaginez, dommage. Je pense que je pouvais passer mais il y avait la BM, j'ai dû relâcher. Dommage, c'est pas grave, allez. On va retenter notre chance.
Là, on est loin, mais Frento, est-ce qu'on tente? Ah, oh, c'était nul ce que j'ai fait. C'était nul! Ah, c'était nul ce que j'ai fait. C'était sûr qu'il allait prendre sa trage. C'est logique, quoi. Ça, c'est la frustration d'un pilote. Ça a refait tamponner au début de course. Non, le SR, il va dégringoler. Le vélo, il va dégringoler. N'importe quoi. Bon, dommage. Ah, on a trop de dégâts là. J'enverrai un petit message à ce Kurpiel là. Passer, mais on veut un peu quoi. Allez, 16e, voiture cassée. Secondes devant. Le virage est compliqué. Hein. Course compliquée. Tout a été ruiné par la Aston en début de course là. Je pense qu'il a foutu. Je ne serai jamais retrouvé dans ce pétrin. Je suis actuellement. Encore 10 minutes de course à subir là. 59.
2 secondes 9. Bien cassé la voiture. Un peu coupé là. Peut-être encore avoir des drive-thru ou des choses dans le genre, on sait pas. C'est compliqué de la maintenir la voiture. Dans une 59, on est plus d'une seconde moins vite que... C'est mon tour en course habituel. Bon, faut-il éviter les courses du lundi? On se le demande, hein, parce que c'est toujours la galère. Je force sur le côté gauche, du coup les pneus chauffent énormément. Logique. Peut-être de place à aller chercher. La BM elle est un peu en galère aussi. Il y a des chiens qui me laissent passer, je crois. Merci mec, c'est sympa. Oh non. Oh non, il mérite pas ça. Alors la McLaren, ça arrive souvent, des mecs qui se... Il spin comme ça. Non, je suis un peu dégoûté pour lui là. Allez. Seconde 6, après il y a une bagarre devant. Bon, après j'oublie d'aller m'excuser auprès de Kurpiel. C'est vraiment dégueulasse ce que j'ai fait, quelque chose de sale. Il y a encore 5 minutes de course.
peut-être aller chercher le gars devant, mais après ça va être compliqué. On va pas faire mieux que 14 à mon avis. J'aurais pas de dégâts peut-être, mais là, on est beaucoup trop pour moi. J'ai pas été assez patient sur la McLaren. Pour aller chercher lui. On va faire la même erreur. Hein. Il va me laisser passer, non. Ok. On est passé, 14e. Encore une minute. Il va rester encore un tour. Dernier tour. Donc ça se termine tout ça. 14e, on démarrait 6e. On avait fait un bon départ en plus, on avait gagné quelques places. Je crois qu'on était 5e ou 4e pendant un moment. Allez, dernier tour. Je sais jamais si un drive-thru ou quelque chose devant.
ça se bagarre hein, entre Stephenson et Anderson. Lambo, Bentley. On va perdre gros sur cette course malheureusement. C'est terminé. On va aller voir la catastrophe du début de course. Hop. On sauvegarde le replay, ça peut servir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé déjà lui? Bon, lui, c'est quasiment sûr, c'est moi. Que je freine et je vais par là. Bizarre ça. Voyez, pour, quand je vous ai dit que moi je l'avais pas senti quand je l'ai tapé. Ah si je l'ai tapé. Ouais. Après, je sais pas parce que moi je plonge hein. Est-ce qu'il rentre trop? Ah oui, il rentre trop, hein. Je sais pas. Pour moi, il rentre trop tôt. Ah oui, il prend la trace, j'ai l'impression, comme s'il était tout seul. Oui, il rentre direct, là. A voir, Bockman, je sais pas, pas sûr. Et ensuite... C'est lui là qui m'a défoncé. Ouais, il a pas freiné. Ah ouais, d'accord. Bon, moi ça c'est clair. Là, c'est 100% pas moi. Après, avec la stand en haut, pour moi, c'est un effet d'action de course. Enfin, je sais pas. C'est bizarre parce qu'il a voulu prendre sa trash comme s'il était tout seul. On s'est pas percuté en soi, c'est portière contre portière. Donc, je sais pas. À vous de juger dans les commentaires. Pour moi, c'est... Pour moi, je sais pas, c'est du 50-50 ou allez 60 pour moi et 40 pour lui. Là, pour lui, il est pas rien, il roule quand même. Mais en tout cas, la bleue, là, lui, on a rien à foutre. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, mettre un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Bye.